Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Question rituelle. Vous avez vu La Chasse au Trésor, quelques émissions déjà diffusées. Oui. Donc vous connaissez les règles du jeu. Tous les téléspectateurs connaissent. Nos candidats ne voient rien. Je ne vois rien. Vous, en revanche, vous verrez tout. Vous savez aussi que nous ne connaissons rien de l'énigme, pas plus que Philippe de Dieu le veut là-bas sur place. Mais nous en parlerons dans un instant. Sachez d'abord qu'aujourd'hui nous sommes, et la carte vous l'indique, nous sommes en France, sur la côte atlantique, exactement dans le département de Charente-Maritime. Je vais être encore plus précis, nous sommes du côté de La Rochelle. Ce sera donc le décor de notre chasse au trésor aujourd'hui. C'est une très belle région où malheureusement dans le passé on sévit les guerres de religion, et également les corsaires, ce qui est peut-être un peu moins connu. Géographiquement c'est une région de marais et de parcs à huîtres. Voilà, je crois que vous avez à peu près tout dit. Alors, où se trouve exactement maintenant l'hélicoptère avec l'équipe de Philippe de Dieu le veut? Philippe, à vous de nous le dire. Oui, bonjour Philippe Gildas, bonjour cher candidat et bonjour, bonjour. Chers téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien, très bien. En forme? Ah oui, en forme, oui. Tant mieux, tant mieux. Nous sommes en effet aujourd'hui en France, dans un champ de blé en herbe, mais face à la mer, face à l'Atlantique et face donc aux USA, si se trouve à quelques 6000 km. Mais enfin, je pense que vous voulez des précisions un peu plus importante pour le démarrage de ce jeu. Alors, je suis au sud de La Rochelle, je suis au nord de Rochefort, oui. Dans la baie d'Yves, sur la pointe du Rocher. Dans la baie d'Yves. Ah, dans la baie d'Yves. Voilà, comme le prénom, sur la pointe du Rocher, donc face... La pointe du Rocher, c'est la pointe qui se trouve au milieu de la baie? C'est cela même, c'est cela même. Vous êtes ici, alors? Oui, c'est le... Vous voyez, donc au nord du petit village qui s'appelle Yves. Voilà, Yves. Très bien. Bien vu. Alors vous êtes donc ici au beau milieu de la carte. Voilà, c'est cela, donc face à l'île d'Aix qui doit se trouver donc plein ouest à quelques 6-7 km. Qui se trouve à la caméra et qu'on ne voit jamais mais qui a le grand mérite de courir derrière vous avec quelques kilos de matériel sur le dos? Comment? Qui se trouve à la caméra avec les... qui se trouve à la caméra? Ben, c'est toujours notre fidèle Jean-Yves Le Meuner. Bruno, allez, on va présenter Jean-Yves. Jean-Yves. Voilà, il est là, regardez, dans son petit passe-montagne, il est très mignon. Parce qu'il fait froid ici, il fait très froid. L'homme du magnétoscope, c'est Bruno Delattre. Le voici. Et aujourd'hui, notre pilote, Jean-Marie Loruol, avec son hélicoptère qui se trouve dans le fond, donc posé dans le champ. Nous sommes prêts. Bon courage. Merci, à vous. Alors, vous avez vu que nous avons des candidats très bavards aujourd'hui qui auront certainement beaucoup de choses à vous dire. Je vais leur demander de se présenter, madame. Annie. J'ai un enfant, je reste à la maison. Mais vous habitez où à la maison? À Dijon. À Dijon et Annie comment? Nicolas. Annie Nicolas, monsieur Nicolas? Gérard Nicolas et je suis responsable de gestion commerciale dans une mutuelle d'assurance à Dijon aussi. Et vous travaillez madame actuellement pour un deuxième enfant? Oui. C'est pas un secret. Hein. Alors je vous souhaite de vous en tirer fort bien et de faire honneur à votre région, à votre Bourgogne. Merci. Je ne doute pas d'ailleurs que ça va très bien se passer. Alors vous savez que les producteurs, nous allons accélérer maintenant le rythme, entrer vraiment dans la chasse au trésor. On, comme toujours, écrit une énigme dans laquelle le moindre mot compte. J'ai beau le dire aux candidats, ils ne s'en souviennent pas tout au long du jeu. Le moindre mot, il peut y avoir une astuce sous chaque mot. Philippe, je vous la lis en même temps. Oui, très volontiers, je vous entends parfaitement bien. Là, j'avais oublié Patrick Lucas qui a établi la liaison. C'est fantastique, je vous entends très très bien. Oui, si vous aviez oublié l'ingénieur du son, c'est bien dommage. Je suis venu, c'est l'énigme, je suis venu saluer l'empereur une dernière fois sur le lieu de son embarquement. En souvenir, il m'a jeté une tabatière que j'ai enfouie, en passant, pendant mon retour, au pied d'un corps de pompe, dans les soubassements d'un grand édifice en construction. Je relis, si vous voulez. Un peu plus vite. J'ai marqué jusque-là toutes les ponctuations. Je suis venu saluer l'empereur une dernière fois sur le lieu de son embarquement. En souvenir, il m'a jeté une tabatière que j'ai enfouie en passant pendant mon retour au pied d'un corps de pompe dans les soubassements d'un grand édifice en construction. Bon. C'est donc la tabatière que vous devez retrouver et qui vaudra pour vous 30 000 francs français. Si vous la retrouvez dans un délai de 45 minutes, comme pour tous les candidats, pas une seconde de plus. 30 000 francs français, je le rappelle pour tous les téléspectateurs, pour les Suisses, c'est quelque chose comme 11 500 francs suisses, ou bien 205 000 francs belges ou luxembourgeois, ou bien un peu plus de 7 700 dollars canadiens. Alors, à la condition, encore une fois, et Philippe de Dieu le veut, va prendre tout de suite son chronomètre,
à la condition que nous ayons trouvé cette tabatière en 45 minutes, pas une seconde de plus. Vous êtes prêt, Philippe? Je suis prêt, absolument. La réponse est là. Au bout de 45 minutes, coup de gong. Si vous n'avez pas trouvé, j'ouvre immédiatement la cassette. Si vous avez trouvé, nous aurons seulement confirmation. Sinon, la réponse est là. Philippe, attention. Oui. Top. OK. Bon, je crois qu'on peut commencer pendant peut-être une minute à décortiquer un peu le texte. Et puis, oui, avant de démarrer peut-être l'hélico. Bah, une minute, c'est peut-être le temps de se mettre en l'air. Voilà, je crois que ça va... Non, mais le temps de se mettre en l'air, si vous voulez. Voilà, oui. On lui dit de décoller, il reste à la verticale. Il reste à la verticale. OK, je vais passer au pilote, donc on décolle et on se met en stationnaire. Bon. Alors, donc, on parle de l'embarquement de l'empereur, donc c'est Napoléon Ier, je pense que là, on peut être à peu près assuré de la chose. Embarquement, alors on peut penser embarquement à l'île d'Elbe, ça peut être une voie. Pour l'île d'Elbe. Ça peut être autre chose. Quand vous dites à l'île d'Elbe, pour l'île d'Elbe. Pour l'île d'Elbe, ça peut peut-être être autre chose. Bon, il faut qu'on regarde. Maintenant, on pourrait établir à peu près la date pour savoir quel édifice était en construction à ce moment-là. Tout ça me paraît bien logique. Un grand édifice, donc c'est quand même quelque chose qui doit être relativement connu. Et en construction, donc. Et qui est en construction, donc. Il faut déterminer la date. Sur mon expérience passée, je vous dis qu'il nous est arrivé de chercher de grands édifices en construction au moment de l'énigme, et qui ont disparu ensuite. Hein. Oui. Mais il faut déterminer la date pour savoir... Allons-y vite, alors il faudrait me trouver l'histoire de Napoléon. Et vous avez toute cette documentation, c'est à la fois peu et beaucoup. Napoléon, Napoléon, je vois celui de Castelot. Oui. On va peut-être essayer de trouver aussi s'il existerait une maison de Napoléon ou un musée de Napoléon ou quelque chose dans le secteur auquel on pourrait peut-être... C'est-à-dire, sur votre carte, vous avez quoi? Vous avez... Il y a une maison de l'empereur à l'île d'Aix, mais c'est peut-être... Ça fait juste en face de la rue... Ou alors à Rochefort, il doit y avoir sûrement un musée avec quelque chose... Maison de l'empereur à l'île d'Aix, vous avez dit Napoléon, ça ne fait aucun doute. Oui, on trouve... Sur le lieu de son embarquement, vous avez pensé que c'est l'embarquement pour l'île d'Elbe. On trouve peut-être quelque chose là, à l'île d'Aix, justement. C'est le 15 juillet 1815... L'empereur endosse l'uniforme vert de colonel des chasseurs de la garde qu'il portait à Austerlitz. Vous savez ce que je vous propose? Oui. Pendant que vous lisez. Envoyez... Vous êtes d'accord pour aller, c'est sur le chemin. Oui. On va aller... Oui, Philippe. Philippe. Oui. Vous pouvez partir en direction de l'île d'Aix, s'il vous plaît, où il y a une maison de l'empereur. Plein Est. Je vais essayer de la trouver. Plein Ouest, alors. Plein Ouest, oui, pardonnez-moi. Plein Ouest. Je quitte les carrelets, là, qui sont en inactivité, puisqu'il y a la mer là. Et nous allons à l'île d'Aix. Voilà. Alors, pendant que vous volez, la destination, c'est la maison de l'empereur à l'île d'Aix. On va essayer de trouver la maison de l'empereur à l'île d'Aix. Alors, justement, là, j'étais en train de lire le 15 juillet 1815. L'empereur endosse donc l'uniforme vert de colonel des chasseurs de la garde qu'il portait à Austerlitz et à l'aube embarque sur le brick l'épervier ancré à quelques encablures du fort Boyard. Le brick cingle vers le Bellorofron, qui envoie une chaloupe prendre l'empereur. Celui-ci y descend, les larmes aux yeux, et par trois fois jette un peu d'eau sur la corque de l'épervier. Puis l'embarcation s'éloigne, emportant Bonaparte vers son destin, vers une autre petite île. Donc c'est... 15 juillet, quelle date vous dites? 1815, faudrait 1815. Vérifier. Une autre petite île, ce serait à ce moment-là... Alors le lieu de son embarquement, ce serait l'île d'Aix. Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait? Faut qu'il aille voir la maison de l'empereur. Il va à la maison de l'empereur. Vous n'avez pas... C'est à l'île d'Aix, vous disiez là. Oui. Où se trouve la maison de l'empereur, je voudrais lui dire. Alors la maison de l'empereur... La maison de l'empereur se trouve vers la pointe... je pense là c'est la pointe Sainte-Catherine. Oui. D'après ce qui est indiqué. Ah oui, je vois sur la carte pointe Sainte-Catherine. Bon, alors c'est un petit peu pratiquement à l'ouest de la pointe Sainte-Catherine, un peu au nord-ouest, hein, mais sensiblement il doit y avoir peut-être... La maison de l'empereur serait ici ou serait là? Elle serait là. Elle serait là, c'est-à-dire au sud de l'île, hein? Oui, au sud-ouest. Oui, d'accord. Vers la pointe Sainte-Catherine. Côte ouest, mais dans la partie tout à fait sud de l'île. Ok, nous sommes pour l'instant donc au-dessus de l'eau à quelques mètres. À ce moment-là, donc à l'île d'Aix. Oui. Pardon?
Dites tout. Il était déjà prisonnier à l'île d'Aix, puisque il parle qu'après la forteresse a été transformée pour d'autres prisonniers de guerre. Après un personnage d'une telle envergure, donc c'est qu'il est. Il était déjà donc oui bien en partance pour l'île d'Elbe, je pense. Pour l'île d'Elbe. Oui. C'est votre hypothèse pour l'instant, hein. Je relis l'énigme. Oui. Je suis venu saluer l'empereur une dernière fois. On ne sait pas qui ai-je. Non. Ah oui, il faudrait peut-être et le trouver. Et qu'il ne fait qu'en passant. Qu'il n'était que de passage, puisqu'il dit « J'ai enfoui en passant pendant mon retour. » Ah non, c'est pas ça. Oui, allez-y, je vous écoute. C'est le lieu de... Bon, il a trouvé... Napoléon lui a remis sa tabatière. Et en revenant chez lui, en passant quelque part... Il est passé par ce grand édifice en construction et là, il a laissé la tabatière. Ce n'est pas forcément sur le lieu de l'embarquement de Napoléon. Non, c'est entre le lieu et l'endroit où il est revenu. Et son retour. Alors, il faudrait trouver, oui, qui est ce jeu? Qui est-ce qui a pu parler de ça? Le jeu, je vous rappelle, c'est un personnage tout de même... Voilà, magnifié par les auteurs de l'énigme. Oui. Oui, bonjour, j'arrive donc au-dessus de l'île d'Aix. Oui. Alors je vais essayer de repérer le musée, vous avez dit donc c'est sur la pointe sud, oui. Un petit peu à l'ouest. Oui. Bon, alors attendez. Six minutes. On va essayer de se poser, puis je vais chercher, je vais me renseigner, je vais essayer de trouver des personnes. S'il vous plaît, oui. Déjà 6 minutes écoulées. S'il y a la maison, ça veut dire quand même pour vous le 9e de votre temps, hein, pour vous donner une indication de la vitesse. On peut se poser près du port, là. Oui. Il y a des gens sur le port, je vais essayer de les interroger. Donc leur demander d'abord le musée donc Napoléon, oui. Et surtout s'ils savent où il a embarqué, pour aller où. Mais normalement, ça doit être pour l'île d'Elbe. Pour l'île d'Elbe, d'accord. Alors, on se pose sur un petit rempart. Jean-Yves et Bruno, on va descendre. Vous avez fait un choix qui est l'île d'Aix. Mais c'est pas forcément là, oui. Si vous me permettez une remarque, il a très bien pu, il a fallu même qu'il embarque quelque part pour aller jusqu'à l'île d'Aix. Vous habitez la région? Oui. Il y a donc obligatoirement aussi un autre lieu d'embarquement. Vous ne connaissez pas l'histoire de la région, l'histoire de Napoléon? Ah bon, vous ne connaissez pas bien. Attendez, je vais essayer de trouver un... Ah mais il n'y avait personne là qui... Sauvetage en mer, donc je pense qu'il habite ici. Attendez, j'ai un petit problème avec mon micro pour interviewer par contre. Oui. Monsieur, vous habitez ici? Oui. Attendez, vous pouvez sortir de la voiture s'il vous plaît? Ce sera plus pratique et puis... Écoutez, je suis désolé là, j'ai un problème avec le micro. Non mais prenez votre temps, hein. Nous cherchons pendant ce temps. Oui. Il faut donc demander à ce monsieur s'il sait où l'empereur... À embarquer, c'est voilà. Ça. Je voudrais savoir, monsieur, s'il vous plaît, où l'empereur Napoléon Ier a embarqué pour l'île d'Elbe. Attendez, alors, comme le micro ne marche pas, je vais lui confier celui-ci. À la pointe Sainte-Catherine. À la pointe Sainte-Catherine. Ah, on me dit qu'il a embarqué, hein. On me dit qu'il a embarqué à la pointe de Sainte-Catherine. Alors, vous y êtes? Ben, vous y êtes, là, oui. C'est cela même. Et oui. Donc, ensuite, quelle direction a-t-il pris? Il est parti de Chauvade, il a été transporté, il est embarqué dans une baleinière et il a été transporté sur le baie de Refond. Oui, alors, bien, c'est ce que... Voilà, on me dit qu'il est allé sur une baleinière, oui. Et pour aller sur un autre bateau, Philippe, s'appelle... Oui. Pour ne pas perdre de temps, parce que 8 minutes sont déjà écoulées, 8 minutes 30, ça nous oui. Le savions, c'est exactement ce qu'avait lu Gérard. Oui, donc, ce qu'il faudrait que vous demandiez exactement à ce monsieur, c'est à quel endroit précis de la côte il a embarqué. On a peut-être une indication, là. Hein? Mais vous êtes d'accord, Gérard? Oui, c'est oui, oui. Précis. Mais là, je lis peut-être une Allez-y, indication. Allez-y, il vous écoute. Je vous lis une indication. Hein, oui, je vous écoute. Sur Rad. Le brick l'épervier appareille et envoie un grand canot chercher l'empereur et sa suite. La mer est en basse. C'est à l'extrémité du rocher Sainte-Catherine, entre le port et les phares, qu'ils embarquent. L'embarcation déborde. Lorsqu'elle est à une encablure du rivage, l'empereur la fait stopper et là, prenant de l'eau de mer dans sa main par 3 fois d'un geste ample, bénit ce petit coin de France et de cette France qu'il ne reverra jamais.
D'accord. Donc, en principe, il a bien embarqué là de la pointe Sainte-Catherine. Oui, mais si vous me permettez une remarque, c'est en 1815. Oui. Il ne reverra jamais, c'est pas l'île d'Elbe, c'est Sainte-Hélène. C'est Sainte-Hélène, pardon. Ah, enfin, oui. C'est un lapin. Non. Excusez-moi. Hein, c'est ce que vous vouliez dire. Mais enfin, c'est le résultat est le même. Philippe. Oui. Attendez, il faut que nous réfléchissions. Vous gardez votre témoin sous la main. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Il y a beaucoup de... Qu'est-ce que nous faisons? Il faudrait... Qu'est-ce que nous cherchons? Il faut chercher le grand édifice en construction. Sur le chemin du retour. Sur le chemin du retour. Le chemin du retour. Donc, en général, le retour, c'est peut-être aussi qu'il a réintégré le continent. Non, c'est le jeu. C'est le jeu qui dit... oui. Ah oui, le jeu a pu réintégrer le continent. C'est le jeu qui a pu revenir. Je suis bien d'accord. Donc, ce que je vous propose... Il a peut-être accompagné Napoléon, justement, jusqu'à l'île d'Aix. Et il l'a laissé partir depuis l'île d'Aix. Et ensuite, il est revenu sur le continent pour... Est-ce que Philippe, votre témoin, confirme bien que la dernière fois... Alors, la dernière fois, c'est pas ça. C'est je suis venu saluer l'empereur une dernière fois. Mm-hmm. C'est pas obligatoirement le dernier embarquement. Sur le lieu de son embarquement. Oui, c'est pas obligatoirement le dernier embarquement. Allez, dépêchez-vous, ce monsieur a autre chose à faire. Il va travailler. Oui. Il va travailler. Bon, est-ce qu'on pourrait lui demander où est-ce que vous pouvez aller peut-être à la maison de... Alors, à la maison de l'empereur. Oui, à la maison de l'empereur. Vous n'avez pas demandé quoi? Attendez, y a-t-il la maison de l'empereur ici, monsieur? Oui. Pour lui demander... lui demander, qu'est-ce qui aurait pu... Ah bon, il y a une rue ici à l'île d'Aix qui s'appelle la rue Napoléon. Et la maison de l'empereur s'y trouve. Moi, je préférerais, alors que 11 minutes, c'est la panique, dit Annie, oui. 11 minutes écoulées. Est-ce qu'il n'est pas préférable maintenant de chercher, puisque là, on ne sait pas de quel embarquement il s'agit. Oui. Mais nous savons qu'il y a eu un embarquement. Il y a eu de toute façon un embarquement. Ce que nous cherchons, vous pouvez laisser ce monsieur partir, à mon avis. Oui. Hein? Oui, puisqu'on veut aller à la maison de l'empereur ensuite. Je reste sur le port s'il y a un... Vous restez là une seconde. Nous ne savons pas qui a reçu la tabatière. Ça n'est peut-être pas un monsieur important, de toute façon. Hein. Il peut être anonyme. Oui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, ce sont les auteurs de l'énigme qui en font un personnage important. Mais enfin, c'est quelqu'un qui a vu Napoléon près d'un embarquement. Vous avez choisi une première hypothèse qui est l'embarquement à l'île d'Aix. Oui. Hein? Mm-hmm. On est d'accord. Sachant qu'il y en a nécessairement eu d'autres puisque c'est une île. Oui. Alors, à cet embarquement-là, il y avait quelqu'un qui a reçu une tabatière et qui, sur le chemin du retour, en passant, près d'un édifice, a caché sa tabatière. Donc, s'il faudrait que nous cherchions maintenant, le chemin du retour. Oui. Il faudrait, sur le chemin du retour, chercher... Une construction qui n'était pas à l'époque terminée. En construction. Alors, Philippe, vous pouvez 1815. Peut-être redécoller. Ah bon? Ben oui. 1815. D'accord. Attendez, comme c'est pas moi qui donne les ordres, il les transmet seulement. Il y a une chose quand même, là je vois, à l'île d'Aix, hein, toujours, fort de la Rade, édifié sur l'ordre de Napoléon en 1810, terminé en 1837. En construction donc. En construction. Où est le fort de la Rade alors? Philippe, oui. Où est le fort de la Rade? Attendez, je remonte le fort de la Rade. Je l'ai sur ma carte. Écoutez, j'y suis au fort de la Rade. Hein. Bon, ben alors, allez voir au fort de la Rade s'il n'y a pas dans les sous-bassements un port de pompe. D'accord. Ah ben oui. Le fort de la Rade. Oui, on peut toujours essayer. Le fort de la Rade. Il faut. On peut peut-être redécoller si elle est posée au milieu, là. Okay. Oui, allez-y. Ok. Pendant que vous redécollez, Philippe, nous cherchons donc à vérifier les grands édifices qui étaient en construction sur l'île d'Aix, dans un premier temps sur l'île d'Aix, en 1815. Oui. Et puis nous prendrons ensuite le sens du retour, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être que vous cherchiez l'histoire de Napoléon, savoir d'où il venait, comment il était arrivé à l'île d'Aix. Voilà. Puisque ce monsieur qui l'a accompagné à l'île d'Aix a dû revenir à son point de départ. Alors, on lit aussi, venant de Rochefort par Fouras, Napoléon, Alors, attendez, non, mais si, vous dites quelque chose de capital, justement, si vous voulez faire le chemin du retour, hein. Alors, le chemin du retour, Fouras, c'est ici. Oui. Voilà, par Fouras. Il vient de Rochefort. Rochefort. Par Fouras. Par Fouras. Napoléon est sur la frégate La Salle, mouillé près du port d'Ennet. Ici. Donc ensuite, on va vérifier s'il y a d'autres... Qui doit donc l'emmener en Amérique. Une force navale anglaise croise donc aux abords. Et après avoir visité les fortifications d'Aix, donc il vient d'ici. Il vient de Rochefort. Voilà. On ne sait pas s'il a embarqué à Rochefort ou à Fouras. Si. Non. Est-il monté sur le bateau à Rochefort? Est-il monté sur le bateau? C'est pas indiqué. À Fouras ou à Ennet? Vous venez de dire trois pays. Oui. Oui. Donc, Philippe, de toute façon, vérification pour l'instant
qu'il n'y a pas de corps de pompe au fort de la rade. De toute façon, pas plus. Si vous avez quelqu'un sous... Oui, attendez, là je suis pour l'instant. J'ai du... Voilà, les studios. Oui. Oui, j'avais du mal à vous recevoir. Je suis pour l'instant au fort de la rade. Oui. Je suis descendu de l'hélicoptère. Que voulez-vous que je fasse? Eh bien, essayez de voir s'il n'y a pas, justement, dans l'édifice, oui, un corps de pompe. D'accord. Oh, je vais poser la question. Tout au moins. J'ai vu un monsieur sur un tracteur, okay, on va essayer de voir. Un corps de pompe, pompe à eau. Bah, on peut penser que c'est quelque chose qui doit être peut-être une pompe. Ou sur les navires, peut-être il y a eu quelque chose de. Un corps de pompe corps dans les sous-bassements. Dans les sous-bassements. D'accord. Voilà, je vois quelqu'un, donc je m'en approche et je lui pose la question. Moi, je vois là que le 12 juillet, le roi Joseph arrive à Rochefort pour essayer de persuader l'empereur de se faire... Bonjour, excusez-moi, je vous dérange. Allez. Messieurs, y a-t-il ici, dans le fort de la rade, un corps de pompe? Un corps de pompe? Quelle pompe vous voulez parler? Un corps de pompe, pompe à eau, pompe... Je pense que ça doit être en bois. Non, il n'y a rien du tout, en bois. En bois. Pardon? Il y a une grosse citerne d'eau. Ah. Vous pouvez m'emmener? Je peux aller voir en attendant? Allez-y, oui. Oui, merci. Dans les sous-bassements? Oui, dans les sous-bassements. Dans les sous-bassements. Elle est où cette citerne? Elle est en hauteur, en contrebas? Pardon? Ah, il y a une grosse pompe, me dit-il, donc près de la citerne. Nous y allons en bas de course. Allez-y voir, oui. Mais n'oubliez pas votre poêle à frire. Ah, je l'ai, je l'ai pas prise là. Oui, parce que oui, bon. C'est enfoui, effectivement. Alors, attendez, je vais quand même voir où je retourne à l'hélicoptère. Que voulez-vous que je fasse? Je vais. Allez voir si cette pompe est dans les sous-bassements. D'accord. Oui. Oui, de toute façon, déjà. Alors, pendant ce temps-là, je résume moi ce que vous avez dit. Hennet, Fouras et Rochefort. Alors, vous vouliez dire, Annie? Que le roi Joseph, c'est-à-dire son frère, a essayé de le persuader de s'embarquer pour l'Angleterre. Oui. Par contre. Et ça se passait à Rochefort? Non, il venait de Rochefort, lui. Il arrive de Rochefort, le roi Joseph. Oui. Donc il était. Donc c'est peut-être lui qui est venu dire qui a fait les derniers adieux. Non, je suis donc. Il y a en effet un robinet. Attendez, je remonte un peu parce que la liaison n'est pas très bonne. Oui. Il y a en effet un robinet et le jeune homme me dit qu'il y a une grande citerne donc au-dessus dans cet édifice. Non, mais ce que nous cherchons, c'est pas un robinet mais un corps de pompe. Oui, enfin, Attendez, je retourne voir, donc j'étais remonté pour plus de... Un corps de pompe, c'est l'essentiel d'une pompe. Oui. Comme il n'y avait pas encore de gazole à l'époque. Ah oui. Exact, là ce n'est qu'un robinet. J'avais cru voir en effet quelque chose de plus important, mais non, ce n'est qu'un robinet. Il n'y a pas de... ce que vous appelez donc un corps de pompe. Et c'est un robinet modèle 1907. C'est un robinet qui n'est pas tout jeune. Je ne connais pas Oui, mais enfin il n'est pas de 1815. Non. Bon. Si vous avez un témoin toujours sous la main... Oui, absolument, il est là avec son... Demandez-lui s'il y a d'autres forts sur l'île qui étaient construits à cette époque ou alors sur le continent. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres forts qui ont été construits sur l'île à cette époque-là? On voit ici le fort de Voyeur. Non, mais sur l'île. Sur l'île. Oui. Le foyer d'eau. Fouras. Fort, ou alors il y a le fort d'Hennet. Attendez. Ah oui, ok, au nord. Les studios au nord de l'île... Il y a le fort Liedo, c'est ça? Voulez-vous que j'y aille? Le fort Liedo. Lima, India, Ici, Ego, il est Delta, là. Oscar, Tango. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier l'hypothèse. On finit d'écluser les hypothèses de l'île d'Aix ou on va sur le continent? Moi, je crois qu'il faudrait revenir. Faut revenir? Je sais pas. Ah, ça fait 18 minutes passées. Ça peut aller très vite, il y a 5 km entre la côte à peine. Hennet, je n'ai pas de Hennet. Bon, il y a... Vous avez encore personne sous la main, là, Philippe? Pardon? Si, il a quelqu'un. Vous avez quelqu'un sous la main? Il vous a dit le fort Liedo. Qui nous dit le fort Liedo? Construit aussi à cette époque-là. Alors, il faut qu'on regarde en vitesse ce qu'il y a sur donc le fort Liedo. Vous ne voulez pas qu'il aille déjà, ça ne prendra pas longtemps. Allez déjà au-dessus. Oui. Allez vers le nord de l'île. Oui, je vais donc vers le fort Liedo, alors. Vous redécollez, vous allez vers le nord de l'île. Si entre-temps, les candidats changent d'avis, on vous le dit aussitôt. Ok,
Alors vous voulez vérifier que c'était à la même époque. C'est oui. Toujours oui. L'île d'Aix. Hein. Entre l'île d'Aix et le chemin du retour. Hein? On est bien d'accord. Oui. Ce que vous nous disiez tout à l'heure, Annie, le chemin du retour, c'est... Enfin, le chemin de l'aller, c'était ça, oui, en gros. C'est, hein. C'est-à-dire, c'est Rochefort. On ne sait pas si c'est par le port de Rochefort sur la frégate tout de suite, ou bien si c'est à Fouras. De toute façon, il est allé on comme ça, il est passé à Fouras, à Hénette oui. Et à l'île d'Aix. Donc le chemin du retour, ça serait le même, mais dans l'autre sens. Oui, bien sûr. Alors... 20 minutes passées, il reste 25 minutes. Voilà. Vous êtes où, Philippe? Voilà, on va au fort Liedo. Ok? On décolle pour le fort Liedo. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur le fort Liedo? Pas grand-chose, je veux dire. C'est pas... Dans ce guide que vous aviez tout à l'heure à l'île d'Aix, là. Oui. Bon, les studios, moi j'ai 20 minutes de décoller, c'est bon? C'est bon, oui, enfin c'est bon. Nous n'avons vérifié qu'un lieu d'embarquement pour l'instant, on va essayer d'en trouver un autre. Vous voulez que je vous aide avec le guide vert? Non, celui-ci, allez-y. La maison de l'empereur en vue à l'instant. Oui. Le fort de la Rade. Voiture traverse la ville à Rochefort. Vimbern sont arrivés à préfecture et l'empereur décide d'aller s'embarquer à Fouras. Oui, ben on avait trouvé que c'était... Déjà la... Donc ça confirme donc, à nouveau que c'est Fouras. Mais où principe, à Fouras? Il a pris des... Il n'est donc pas parti depuis Rochefort, depuis le bateau. Il a pris des berlines impériales. Ah bon, donc c'est... Il aurait pris la route. Voilà, donc ce qui nous intéresse, c'est l'embarquement, donc c'est Fouras. Où voilà. Ça, Fouras? Est-ce que vous pouvez le vérifier? Je vois qu'il y a un autre fort aussi qui était en construction ou qui n'était pas encore construit à l'époque. Qui est? Fort Boyard. Justement, on dit, mais le Fort Boyard n'est pas encore construit lorsqu'en 1809, les escadres de Brest et de Lorient sont concentrées avec celles de Rochefort en rade de l'île d'Aix. Donc il y a aussi, finalement, le Fort Boyard qui peut être une piste. Oui, mais si vous vous contentez de la première ligne... Ah, oui. Les studios. Oui. Le jeune homme, lorsque je lui ai parlé, il m'a parlé des Fort Boyard aussi, hein. Oui, on est d'accord. Mais le problème, ça c'est ouais. La première ligne. C'est-à-dire que ça remplit bien. Et la dernière, un grand édifice en construction. Ouais. Mais ce qui est embêtant, c'est que c'est en passant pendant mon retour. Ah oui. Or, à moins d'avoir affaire à un nageur... Je et puis on voit pas, on le voit mal s'en aller vers le large, vers Fort Boyard pour s'en aller en Amérique. Alors qu'en plus, il y a les Anglais là, d'après ce que vous dites depuis le début. Oui. Les studios, je suis donc au-dessus du Fort Liedo, qui est encastré dans la nature. Là, je vais me poser donc sur ces remparts. Bon, attendez, il y a quelque chose là, enfin, on peut... Posez-vous déjà, oui. Ah, on va se poser. Alors, il y a une autre allusion, bien sûr, au même phénomène. C'est le 8 juillet, le général Becker vient informer Napoléon que le gouvernement provisoire exige qu'il quitte immédiatement le territoire français. Oui. Dans l'après-midi, Napoléon et sa suite qui gagnent Fouras, donc en Limousine, oui. Où ils s'embarquent dans l'anse de la Coue. Ah, l'anse de la Coue. Donc, l'anse de la Coue. Est-ce que vous avez sur votre carte l'anse de la Coue? Le port. Attendez, où cela? À Fouras. La presqu'île de Fouras, l'anse de la Coue. Et il... J'ai anse de Fouras. Oui. Mais je n'ai pas anse de la Coue. Bon. Je ne l'ai pas sur ma carte. Alors, il s'embarque donc dans l'anse de la Coue, à bord d'une embarcation. Le puits a décidé de se poser, il y a beaucoup de vent là. Oui. Est-ce que le fort Liedo a l'air d'être un fort de l'époque oui. Du début du 19e siècle? Il faudrait peut-être ah, pas oui, si. Pour moi, oui. Bon. Est-ce qu'il y a encore. Il est en bon état encore? Pardon? Il est en bon état? Oui, il est vraiment en renfoncement, si vous voulez. Les murs sont très très épais et il court intérieur de 50 mètres sur 50 mètres et c'est là que je vais aller. Non, oui, mais ce sont les sous-bassements que nous cherchons et qui nous intéressent. Oui, ben j'y vais, est-ce oui. Qu'en passant assez près, vous pouvez sans vous poser pour qu'on gagne du temps parce que nous sommes à la moitié de l'émission. Je suis déjà posé, on va aller voir, hein? Oui, alors faites vite les sous-bassements, voir s'il y a un corps de pompe. D'accord. Et bon, remonte, alors. Remonte, je vais faire un truc.
Expliquez-nous pendant ce temps. Oui, alors, donc, il gagne donc Fouras, où il s'embarque donc dans l'Anse de la Coue, à bord d'une embarcation envoyée de la frégate La Salle, mouillée près du rocher d'Ennette. L'Anse de la Coue, vous l'avez où? Oh, l'Anse de la Coue, J'essaie de la trouver. Ça doit être ça. Ça serait peut-être ici. Ça serait ici. Bon. Et donc... Attendez, alors, dès qu'il a fini, de vérifier qu'il n'y a pas une pompe à parlier d'eau, nous aurions gagné à ce moment-là, après... ça fait 25 minutes. Alors, hein, ça serait, je crois que vous auriez le record. On ne sait jamais. Hein. À bord d'une embarcation donc envoyée par de la frégate, La Salle, mouillée près du rocher d'Ennette. Oui. Accessible à marée basse. Écoutez les studios. Le port d'Ennette. Oui. Oui. On vous écoute, Philippe. Est-ce qu'il y a un corps de pompe? Les studios. Oui. Oui, je espérais qu'il y avait quelqu'un. Qu'il y aurait quelqu'un, mais il n'y a personne. Marcherons dans différentes pièces. Il y a des lits militaires, c'est tout un fort militaire qui, au milieu de la place, il y a un drapeau, mais la flamme est déchirée. Je ne vois rien, en tous les cas, je ne vois pas de corps de... Bon, alors, il y a une autre indication aussi qui peut avoir... Écoutez, il n'a pas vu de attendez. Bon. J'ai un corps de pompe, là. Ah bon, où ça? Enfin, qui est très très ancien, mais il y a... Où est-il par rapport à ce corps de pompe, le trésor? Il est dans les sous-bassements. Dans les sous-bassements. Au pied. Écoutez, alors je suis là, il n'y a que des pavés et que alors, oui, mais il est au pied, ça veut dire qu'il doit être en contrebas. Ah oui, mais là, je peux pas creuser, là. Non, si donc... c'est pas là, allez. Là, je suis, uniquement, il y a des pierres. Oui, mais en contrebas, dans les sous-bassements d'un grand édifice en construction. Oui, mais il faudrait que je passe par derrière, peut-être, alors, attendez. Non, mais ne perdez peut-être non, pas trop de temps. Quel était? Écoutez. Oui, il y a une autre indication peut-être, enfin, qui peut avoir un certain rapport. Pas, hein. Bon, là, on dit le 9 juillet, Napoléon décide de se rendre à l'île d'Aix, toute proche. Il y débarque dans l'Anse des Anglais, au rocher du Petit Boucard, sous le rempart au bout de la rue Marlingot, où il y avait une estacade. Bon. Et ensuite, on dit il se rend au fort de la Sommité, et là, repris par le métier des armes, oubliant qu'il vient d'abdiquer, se plaint du mauvais état des défenses légères et en ordonne la réfection. Où ça se passait, ça? Donc, au fort de la Sommité. Ah, il se trouve où? C'est pas très grand. Non, mais dans quelle île? En principe, ça doit être en Philippe. Je remonte parce que je ne voudrais pas perdre trop de temps, parce que là, vraiment, ce corps de pompe, il n'y a vraiment rien, c'est que des pierres qui entrent. Bon, alors, remontez, il nous reste... 18 minutes, remontez très vite et reprenez l'air. Alors, est-ce que c'est sur la côte pour Fouras, là? J'ai pas compris. Oui, on parle, donc je parlais du... Le fort de la Sommité. La fort de la Sommité, ben, faut qu'on cherche. Non, mais d'après votre texte, relisez, on va peut-être comprendre. Bien. Au matin du 9 juillet, Napoléon décide de se rendre à l'île d'Aix, toute proche. Il y débarque dans l'Anse des Anglais, au rocher du Petit Boucard, sous le rempart... Bon. Où il y avait une petite estacade, d'où l'on gagnait la citadelle par un raidillon percé dans la muraille. C'est l'île d'Aix, ça. C'est l'île d'Aix. Mais là, c'est le point d'embarquement, c'est le point de débarquement. C'est le point de débarquement, là. Vous voulez retourner à l'île d'Aix? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le point d'embarquement qui est ici? C'est un point d'embarquement qui nous intéresse, hein? Oui, oui. Est-ce qu'on prend le point d'embarquement? Est-ce qu'on retourne à l'île d'Aix? Mais je suis encore à l'île d'Aix, hein? Oui, il y est encore. Ah oui, vous êtes encore. Mais est-ce qu'on reste à l'île d'Aix au risque que ça se passe sur le continent parce que c'est un autre embarquement? Il y a eu manifestement deux embarquements, nous sommes d'accord. Oui, oui. Un, ici, tout logiquement sur le continent, à Fouras, ici, à de la Coue, avec le fort d'Ennette, oui. Oui. Et l'autre, Depuis... Moi, je crois qu'il faudrait revenir sur le continent. Vous, monsieur, madame, je ne veux pas de scène de ménage, à vous de choisir. Non. je crois qu'on a tout... Attendez, pour l'instant, vous redécollez, de toute façon. Je redécolle, je suis en accord, mais ce que je peux faire, c'est quand même me reposer pour demander quelles sont les constructions. Non, mais c'est ce qu'on a déjà fait. On les a pratiquement toutes vues. On les a toutes vues. Ce qu'il y a, c'est que le corps de pompe que vous avez vu tout à l'heure... Oui, j'en ai vu, absolument, oui. Et il était d'époque, enfin, c'est quelque chose... Écoutez, il restait, pour moi, il y avait une plaque de bois contre le mur, mais il n'y avait plus la pompe ni le robinet, il n'y avait plus rien. Et en bas, il n'y avait que des gros pavés. Non, je crois que il a regardé, c'était pas possible. Bon. Je crois qu'il ne faut plus perdre de temps maintenant. D'accord. Hein. Il vous reste 16 minutes. Le problème, c'est que l'énigme, vous en êtes resté à Saint-Napoléon. D'accord. C'est près du lieu de l'embarquement. C'est quelqu'un qui, on ne sait pas qui, sur le chemin du retour en passant à Caché, au pied d'un corps de pompe, ou dans les sous-bassements d'un grand édifice en construction. Pour l'instant, on s'est dit, c'est un monsieur qui était avec lui à l'île d'Aix et qui rentre au pays maintenant. Je crois qu'il faut qu'on regarde. Oui, oui, il faut qu'on regarde, par exemple, si le fort d'Ennette était, était quelque chose qui s'est terminé. Philippe, oui, vous revenez vers le fort d'Ennette. Vers le fort d'Ennette.
qui se trouve juste à la pointe de Fouras. D'accord, je vois. Et pendant que vous y allez, nous cherchons s'il est de cette époque. Voilà. Vraiment, il faut... Alors, ensuite, voilà, on le voit en vue, là, Jean-Yves, le fort des neiges. Ensuite, je résume, Annie et Gérard. Vous avez par ailleurs trouvé un autre fort qui était en construction. Qui est Fort Boyard. Qui est Fort Boyard, vous l'avez dit à deux ou trois reprises. Le problème de Fort Boyard, c'est qu'on ne voit pas... Bah oui, à moins qu'il... Le Fort Boyard, je précise bien, il est ici. Hein. On revient vers Fort Desnettes pour l'instant, oui. D'ici à là, et le Fort Boyard est juste à l'opposé, là. Ouais. Lui, on est sûr qu'il était en construction à cette époque. À lui, c'est sûr. C'est voilà. Seul, mais comment quelqu'un, en passant sur le chemin du retour, alors qu'on part d'ici, et que les Anglais sont auprès du Fort Boyard, d'après ce que vous avez dit, oui. Hein. C'est donc tenu par les ennemis, là. Bien sûr. Donc, si évidemment, on savait qui est ce monsieur... Vous cherchez Hennette dans un premier temps? Oui. Combien de temps nous reste-t-il là? Il nous reste un tout petit quart d'heure. Un tout petit quart d'heure. Pointe d'Hennette. Qu'est-ce qu'on fait? On se pose après à Hennette, mais alors il faut sans doute... Vous nous direz si vous pouvez vous poser à Hennette ou s'il faut aller sur le continent. D'accord. Pour l'instant, donc, on arrive en vue d'Hennette, qui est à peut-être 300 mètres. On va prendre un peu d'altitude pour voir si on peut se poser. Hein. Oui. Bon, a priori, on doit pouvoir se poser, il y a une plateforme, là. Celui-là. Au-dessus. Hein. Il est habité. Alors, je fais le tour. Alors, on peut se poser, il y a une plage de rochers. Il est habité. C'est possible qu'il le soit, mais je ne vois personne, dans tous les cas. On va se poser, quand même. Hein. Non, s'il est habité, il y a des gens qui seraient sortis. 14 minutes. En attendant l'hélicoptère. 14 minutes. Tu vas rester dans l'hélico, pareil, je vais... Oui. L'ennui, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de renseignements sur ce fort. Voilà. Je crois qu'il va falloir maintenant qu'on accélère au maximum. Qu'est-ce que vous voulez faire au fond de l'être? Attends, voir. Allez-y. On a l'air complète. Allez-y, vite. C'est très simple, fait ce photo. C'est Napoléon qui décida la construction de Fort Boyard. Et ils s'arrêtèrent la construction en 1813, qui reprit, oui, donc après. Je suis à l'intérieur donc, du fort Hennet. Oui. Bon, pour l'instant, je ne vois rien. Je continue à descendre donc au plus bas pour les sous-bassements. Oui. Non. Il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Bon. Oui. Ce qu'on peut tenter de faire, c'est d'aller à Fort Boyard. Je remonte, hein. On ne sait jamais. Attendez, peut-être qu'il y a eu... Est-ce qu'on sait qu'il était en fausse? Au Fort Boyard, dont le jeune homme a parlé tout à l'heure. Attendez. Non, allez-y, vous êtes le patron de votre enquête. Donc, quand vous dites tenter, on sait qu'il est de cette époque. Bon, derrière, et on ne comprend pas l'énigme, on va... Jusqu'à maintenant... Bon, on va donc à Fort Boyard ou pas? C'est à vous de choisir. Il nous reste 13 minutes. Oui, allez, on y va. Je remonte actuellement, donc j'ai fait le tour. J'ai fait le tour d'un cours intérieur, je n'ai rien vu. Il n'y a rien. Bon. Donc rien dans les sous-bassements, pas de corps de pompe, on ne comprend pas totalement l'énigme. Pourquoi ne serait-il pas passé à Fort Boyard, dit Gérard. Donc vous allez à Fort Boyard, vous repartez... Oh, j'y vais. Vous repartez plein est, plein ouest. D'accord, oui, non, je l'ai bien vu sur la carte. Plein ouest. Ok. Combien de temps il vous faut pour faire 6 km? À côté, bon. 2 minutes. 2 minutes. Eh bien, dépêchez-vous, si j'ose on dire. On va au Fort Boyard. Oui. Fort Boyard, plein est, là. Alors, c'est quoi Fort Boyard? Il y a eu des prisonniers célèbres, là, parce que c'était une prison. Mais vous venez de dire que 1813, la construction avait été arrêtée, donc il ne devait pas être construit. Non, c'était quelque chose qui était en train de se construire. Maintenant, l'explication est peut-être difficile, c'est parce qu'on ne comprend pas, comme vous le disiez, qu'il soit retourné à Fort Boyard. Tout moins, c'est lui, le jeu. En question, pas encore définie. Je suis venu saluer l'empereur une dernière fois sur le lieu de son embarquement. Oui. Là, par rapport à Fort Boyard, on sait qu'il y a eu un embarquement, le dernier d'ailleurs. Le dernier, de toute façon, c'est qui expliquerait que ce soit une dernière fois. Voilà. Ce serait donc, le jeu serait un ami oui. de l'empereur. Bah oui, on... Un ami.
part de Lascar, il y a des tas de... Salué. Le lieu d'embarquement, il est sûr qu'il y en a. Oui, oui. Non, j'arrive à me montrer qu'on voyait le Fort Boyard au loin. On le voit très très bien et c'est un grand fort qui sort de l'eau. Un petit peu comme un navire, si vous voulez. Oui. Vous pouvez vous y poser? Ah, je peux pas vous dire encore parce que nous sommes en... D'accord. Peut-être à 2 ou 3 km. Hein. Et il vous reste, Philippe, oui. Il vous reste 10 minutes et 20 secondes. 10 minutes et 20 secondes. Si c'est à Fort Boyard, ça devrait suffire. Si c'est à Fort Boyard, on comprendra ensuite comment le personnage est passé par Fort Boyard au retour. Parce que, si j'ai bien compris ce que vous disiez au début, les Anglais attendaient entre l'île d'Aix et Fort Boyard. Oui. Ou en tout cas, tout près de Fort Boyard. Tout près. Oui, c'est ça. Il reste 10 minutes exactement. Là, je repasse au sud de, de la pointe de l'île d'Aix. Hein. Oui. La pointe sud. C'est ça, on va passer au-dessus de la... Voilà, j'y suis, on la quitte, on va donc droit vers le Fort Boyard. Mais vous le voyez en face? Ah oui, on est en pile en face. Nous qui ne voyons rien, il fait beau? Ici, le temps est beau. Oui, je me pousse là pour que... Le temps est beau, oui, absolument. D'après votre pilote, il y a beaucoup de vent? Oui, ce matin, enfin, quand on était au démarrage de l'émission, ça soufflait, oui. Quand vous étiez sur le Fort Dénette, ça soufflait fort? Ah, ça souffle un peu, enfin, on a réussi à approcher, et puis il y avait une pelouse, oui, il s'est posé sans problème. Donc, ça doit se faire sans problème à Fort Boyard, l'atterrissage? Ah, ben, normalement, oui. Il doit avoir la place. Il doit avoir la place? Ben oui, puisqu'elle est relativement grande. Voilà, un grand fort. C'est vraiment comme un navire, il y a des fenêtres comme des meurtrières, et des grosses meurtrières. Oui. Ça doit être des emplacements pour des canons, je pense, pour protéger. D'accord. Et l'île est très grande autour? Ah non, il y a juste la construction. Ah, il n'y a que le fort? Il y a énormément de goélands, de mouettes, de cormorans, beaucoup d'oiseaux là. Et vous pensez que dans les plans de Napoléon, il y avait la place pour un hélicoptère? Je sais pas, non. On va prendre de l'altitude pour eux. À l'intérieur du fort, 8:30. On va essayer de se poser. 8 minutes 30. Au pied d'un corps de pompe, dans les sous-bassements. Dans les sous-bassements. Hein. Ça veut dire qu'il faut descendre. Vous avez la certitude, Philippe, vous avez au moins une certitude, c'est que ce grand édifice, c'est bien un grand édifice. Hein. Ah oui, c'est énorme, ça fait combien 60 mètres en... Oui, 80 mètres sur 40 de large. Mais attendez, pour se poser, c'est un rempart en fait. Là aussi, une cour intérieure. Pardon ? Une cour intérieure énorme et des remparts donc qui sont... Attendez, le pilote, on va pouvoir essayer de se poser là? Le pilote va essayer. Hein. Une cour intérieure énorme, alors comment vous allez faire pour vous poser? Elle est assez large pour se poser dans la cour? Écoutez, là je laisse le pilote voir lui-même. Je ne voudrais pas le... Il nous reste... Ah, attendez, il me fait signe que c'est difficile pour lui, attendez. 7 minutes 30. Mais alors, si vous ne vous posez... Il essaie d'approcher, mais l'hélicoptère n'est pas très stable. Vous savez que c'est notre... C'est notre dernière chance. Oui. Non, il a fait une demande. On peut essayer une deuxième fois encore. On va réessayer, là. On a essayé de se poser, mais... comment dire, j'étais pas très stable. On réessaye. Oui, je vous rappelle que c'est notre dernière chance. Il sera trop tard pour revenir ailleurs. D'ailleurs, on ne sait pas où ailleurs. Cet édifice rassemble pas mal des arguments dont nous avions besoin. Il était en construction. Il ne devait pas être très haut en 1813 parce qu'il a été fini beaucoup plus tard. Vous disiez tout à l'heure... Oui, il a été fini beaucoup plus tard. C'est ça qui collerait un petit peu avec l'énigme. Donc c'est vraiment dans les sous-bassements, puisque le personnage, lui, est passé là en... S'il est passé là, bien entendu. Il est passé là en 1815. Oui. Alors que Napoléon s'embarquait pour Sainte-Hélène. Il y a beaucoup de turbulences. Oui, ça chahute, il y a beaucoup de turbulences ici. Le vent rafale depuis le milieu du fort. Non, oula. Bon, écoutez. Oui. Il y a un problème ici, le pilote n'arrive pas à approcher le rempart. Et est-ce que vous pouvez... tout autour, il n'y a rien, pas du tout de sable, pas du tout de rocher. Non, il y a un petit bout de rocher, mais on ne peut pas se poser. Hein. Écoutez, vous êtes sûr que c'est là?
Ah, non. Ouais. On est sûr de rien. On est sûr de rien. Non, parce que, écoutez, moi je veux bien, je veux essayer un truc, si tu es d'accord. N'insiste pas. Il y a un escalier, il y a l'escalier au bord du fort, moi je veux bien essayer de me foutre à l'eau. Ah, mais vous, hein. Prenez pas de risque quand même. Ah, non, mais, bon, est-ce que c'est la Philippe, première part de ce type? Philippe, oui. Philippe, il vous reste, écoutez, vous allez nous aider à juger. Oui. Il nous reste exactement 5 minutes 40 secondes. Oui, le pilote fait encore une tentative, là. Non, mais attendez, pendant que le pilote fait sa tentative, je vous pose la question. Oui. Si vous devez retourner au continent, il vous faut un temps fou. Il faut 5 minutes, quoi. Bon. Là, on va peut-être y arriver, mais... Alors, Le pilote me fait signe que c'est pas au point de vue sécurité, c'est vraiment pas le... Bon, mais de toute façon, les 5 minutes qui nous restent, il vaudrait mieux les passer là, parce qu'on voit pas très bien où on va aller. Hein. C'est ce qu'avait l'air de dire à la seconde. Vous êtes d'accord, Gérard et Annie? Écoutez, le pilote, moi je vous propose, tant pis, je sais pas à quelle température est l'eau, moi je veux bien y aller, ok? Parce que ça veut dire qu'il faut sauter dans l'eau. Ah oui, parce qu'on peut pas se poser autour. Et on peut pas vous poser sur le rempart. Non, mais il a essayé 3 fois, le pilote. Non, mais vous posez-vous. Non, on n'a pas encore posé un patin. Non, mais vous posez avec votre échelle. Avec mon échelle? J'ai pas d'échelle, moi. De corde. Ah, c'est trop risqué avec le vent qu'il y a, vous savez. Oui, j'ai un peu peur. Non, c'est un peu risqué. Non, écoutez. Non, mais je ne sais pas. Vous préférez quoi? Descendre dans l'eau? Maintenant, il faut que vous vous décidiez. Le pilote me dit que je peux sauter. Alors, moi, j'y vais, ok? Sans risque, à la condition de prendre le minimum de risque, si c'est pour vous mouiller, d'accord? D'accord, vous avez un gilet de sauvetage? Oui. Il vous reste 4 minutes 30. Il y a un gilet de sauvetage, je le prends. Et Bruno, c'est étanche, hein? Attendez, alors écoutez, le portable que j'ai n'est pas étanche, je vais le laisser. Je te le laisse, tu me le balanceras quand je serai en haut du fort, ok? Philippe, si j'ai bien compris, ça ne peut être qu'à l'intérieur. Le reste est entouré par l'eau. Absolument. Bon, si vous sautez, vous aurez le temps de rentrer à l'intérieur. Oui, il y a l'escalier. Bon, ben alors allez-y sans prendre de risque pour votre santé, c'est tout. D'accord. Je quitte la liaison, hein. Et je quitte la liaison. Quitter la liaison, de toute façon nous ne pouvons plus rien faire. Et en plus, non, mais là, tout le monde vous voit sauf nous. C'est bien Napoléon, on en a la confirmation, qui a décidé la construction de Fort Boyard. Oui, c'est lui qui l'a décidé. Non, mais pendant que Philippe est en train de faire son exploit, la seule chose que nous puissions dire, nous, c'est que ce fort remplit beaucoup de conditions. Oui, il était en construction à l'époque. Voilà. Il est tout près d'un lieu de l'embarquement. Voilà. Ça corrobore assez... Quelqu'un, plein de choses historiques, enfin notamment l'embarquement sur le Bellérophon s'est passé là. Le personnage en question, on n'a pas compris. Non. Pourquoi il était là lui aussi? Non. Ou nageur, ou... Parce que... Il faisait peut-être partie de l'ultime escorte. Parce qu'ils ont il faisait peut-être partie de l'ultime escorte qui a emmené, vous l'avez dit, oui, tout on à l'heure, a eu Napoléon. Des... On voit qu'ils ont eu des difficultés, puisqu'à un moment donné, ils disent que la chaloupe a eu... Oui, et puis il a fallu porter Napoléon, enfin... Nous n'avons plus la liaison comme prévu avec Philippe. Mais... L'équipe est restée dans l'hélicoptère, lui doit déjà être dans l'eau. 2 minutes 40. Et je pense qu'il ne m'entend pas. Pas qu'il soit pris. Non, il sait bien nager, bien ça. Nager. Pour, je pense qu'il l'aura. 2 minutes 30. On est obligé d'attendre et on est totalement... Non, puis là... Là maintenant, imaginons qu'il trouve, imaginons que le corps de pompe soit là. Il faut qu'il trouve le corps de pompe. Imaginons que le corps de pompe soit là. Je ne sais même pas comment il va nous faire signe à nous. Tout le monde aura vu que vous avez ou gagné ou perdu. Et nous ne saurons rien du tout. Il vous reste... Oui. Tout est sur le chronomètre. 2 minutes exactement. Et Dieu le veut, court sûrement, ou nage peut-être encore. Souhaitons pour vous qu'il court déjà. 1 minute 45, la tabatière est au pied d'un corps de pompe, dans les soubassements. Comme l'eau, si j'ai bien compris, Dieu le veut, l'eau recouvre tout l'extérieur du fort, c'est déjà une chance, ça ne peut être qu'à l'intérieur, dans la grande cour intérieure. Oui. Espérons que l'escalier pour descendre dans la grande cour, monter de la mer et redescendre dans la cour ne sera pas trop long pour vous. Ça. 1 minute et 20 secondes, pardon. 1 minute et 20 secondes. 1 minute et 4. Là, vraiment, c'est le... Je pense
parce que dans l'hélicoptère, ils sont comme nous. Ils le regardent, ils le filment de là-haut. Tout le monde le voit courir. On entend le bruit de la mer. Mais plus Dieu le veut. Moins d'une minute. Cinquante secondes. En tout cas, vous prenez ça avec le sourire. Car de nous n'avons... De toute façon, oui, là, il y a 50 minutes. 35 secondes et le grand silence. On ne peut rien faire pour de nous. Je sais bien que ça n'est qu'un jeu, mais il y a tout de même 30 000 francs pour vous. Si Dieu le veut, non. L'a trouvé, ce corps de pompe. Et le... La tabatière de Napoléon enfouie au pied de ce corps de pompe. 15 secondes. 10. Notre sort est impossible. 5 secondes. Et voilà, le gong. Ça ne veut pas dire, c'est bien la première fois que ça nous arrive, je crois, ça ne veut pas dire que vous avez perdu. Ça veut dire que nous sommes obligés maintenant. Mais tous les téléspectateurs savent, eux, si vous avez perdu ou gagné. Vous êtes les seuls, nous sommes les seuls. Alors, ce que je vais faire, parce que... imaginons qu'il lui ait fallu 10 minutes pour aller jusqu'à l'intérieur. Il en faudra autant pour revenir. On n'a pas d'autre solution que d'ouvrir. On saura si c'était déjà dans ce fort, si vous avez vu juste en l'envoyant là. Oui, parce que ça, c'est... On ne saura pas pour autant vraiment s'il est arrivé à temps. Oui. Voilà, oui. Mais au moins... Enfin, on a une solution déjà. S'il avait un piège, ah oui. Et puis qui est-je? Ça, c'est ce qui nous a manqué. Hein. Le reste, je crois que vous aviez très bien trouvé du premier coup les deux lieux d'embarquement. Notamment celui sur lequel vous avez joué. Alors, pendant que nous attendons Philippe de Dieu le veut, et pendant que nous, les seuls, nous ne savons pas si vous avez gagné. Après son abdication, Napoléon quitte Malmaison le 29 juin 1815 pour Rochefort, vous l'avez dit Annie. Il espère pouvoir s'embarquer pour l'Amérique, vous l'avez dit aussi. Fouché ayant promis l'envoi de deux frégates à cet effet. Il arrive à Rochefort le 3 juillet à 8h du matin. Là, on lui annonce que les frégates La Salle et La Méduse sont prêtes à mettre la voile malgré le blocus anglais. Napoléon hésite. Le 7 juillet, ordre de Fouché, il exige que l'empereur embarque sans délai. Oh. Philippe, non. Je continue. Le 8 juillet, j'arrêterai immédiatement, croyez-moi. Le 8 juillet, Napoléon quitte Rochefort pour Fouras. À dos d'homme, il est porté jusqu'à une chaloupe qui rejoint la salle. C'est le premier embarquement ancré près du fort Hennet. Le 9 juillet, il visite l'île d'Aix, revient sur la salle, passe la journée du 10 juillet dans la région. Du 11 au 14, il séjourne à l'île d'Aix. Ses proches établissent des plans d'évasion que Napoléon finit par refuser. Le 15, il embarque sur une chaloupe pour rejoindre le brick Épervier, mouillé près du fort Boyard. L'Épervier se dirige vers le Bellérophon. Il embarque sur une chaloupe pour rejoindre le brick Épervier, mouillé près du fort Boyard. Il embarque sur une chaloupe. Il va jusqu'à l'Épervier, près du fort Boyard. Il y a sûrement des marins français. C'est possible. L'Épervier se dirige vers le Bellérophon. Une chaloupe se détache du vaisseau anglais pour venir chercher l'empereur sur l'Épervier, l'emmener au Bellérophon. Il est 6h du matin. Ce n'est que le 17 octobre de la même année que Napoléon commence son exil à Sainte-Hélène. Alors, je ne vous fais pas attendre plus, en attendant Dieu le veut. Je suis venu saluer l'empereur une dernière fois sur le lieu de son embarquement. Dans l'épisode du départ de Napoléon en exil, le dernier endroit où se trouve l'empereur est bien le vaisseau anglais Bellérophon. Après son embarquement sur ce bateau, Napoléon quitte effectivement le sol français. Il fallait donc chercher quels étaient les lieux d'embarquement. En souvenir, il m'a jeté une tabatière que j'ai enfouie en passant pendant mon retour au pied d'un corps de pompe dans les soubassements d'un grand édifice en construction. Oui ! Oui ! Écoutez, j'ai le trésor. Vous avez la... Oui ! Mais est-ce que vous l'avez trouvé dans les délais ? Oui, je l'ai trouvé, attendez ! Je décroche d'abord, là. Écoutez, voilà ce que j'ai fait. Justement, je suis arrivé dans le fort. Non, alors, écoutez, reprenez votre souffle. Alors, vous l'avez trouvé, c'était donc bien là. Oui, parce que oui, absolument. Je suis arrivé dans le port, il y avait un corps de pompe. Je ne suis même pas remonté chercher le portable. Vu qu'il fait ça assez peu de temps, j'ai tout de suite cherché. J'ai gratté avec les mains et j'ai trouvé la table de terre. Oui, mais Philippe, ce que Annie et Gérard ne savent pas, est-ce que vous l'avez trouvé dans les délais? Je n'en sais pas non plus.
Qu'est-ce qu'il dit? Il n'en sait rien. Mais alors, qui peut vous dire? Je pensais que Bruno aurait pris le micro là, à ma place. Oui, Bruno. Non mais, on ne lui en veut pas. L'essentiel, c'était de courir, de filmer, d'y arriver. Mais alors, nous ne savons toujours pas si nous avons gagné ou pas. Si vous avez gagné. Oh ben, il faut qu'il ait gagné. Mais quand même. J'ai pas croyé, moi. Bon. Entre nous, j'ai quand même pas une noyée. Oh, mais il doit être mouillé. En tout cas, votre performance est vraiment extraordinaire. Alors, Philippe. Je comprends déjà l'exercice physique. C'est pas possible. Écoutez, là, je suis devant. Il va falloir... Alors, tous les téléspectateurs savent, eux, parce qu'ils avaient le chronomètre sous les yeux. Oui, parce que moi, j'ai pas de montre de plongée. Alors, je sais pas, je peux pas vous dire. Voilà. Eh bien, à votre avis, vous avez mis combien de temps entre le moment où vous êtes descendu et où vous êtes arrivé? Je peux pas vous dire. 3-4 minutes? En maximum, oui. Oh, Philippe, on ne vous entend plus. Maximum, alors ils ont gagné. J'attends aucun autre, ils ont gagné. Ah, je crois que c'est la... Philippe, je crois que c'est la première fois que ça se termine comme ça. C'est-à-dire que tout le monde sait, sauf nous. Allez, faisons comme si vous avez gagné. Il suffit de le croire, s'il a couru. Bravo à vous. Ah ben, surtout merci aussi. Ah, mais Dieu le veut. Dieu le veut, il est là pour là. Philippe, je vous donne l'explication. Pendant que vous reprenez votre souffle, je vous donne l'explication finale. Oui. À proximité du Bellérophon, il y avait un îlot minuscule sur lequel, à cette époque, venait de commencer la construction du Fort Boyard. C'est donc là, au pied d'un corps de pompe planté dans ce qui allait être la cour du fort, qu'était enfouie la tabatière. L'auteur de l'énigme, sans doute un grognard, oui, fidèle, un compagnon de Napoléon, est allé cacher son précieux souvenir, tandis que Napoléon s'en allait vers Sainte-Hélène. Alors on peut penser que ce grognard l'avait suivi jusque sur l'épervier. Non, Jean-Yves, si tu peux, tu essaies de poser, si tu peux pas, et ben tu m'envoies un bateau là-haut. Ouais, on l'envoie un bateau. Non, oui, nous ne savons toujours pas où il est, s'il est dans l'eau, s'il est dans l'hélicoptère. Non, nous allons nous en terminer là, pendant, sachant très bien que Dieu le veut, ce sort de toutes les situations, et que donc il ne restera pas là où il est en ce moment en difficulté. Gérard, Annie, bravo à vous. Je pense ne pas me tromper en disant que vous avez gagné, d'après ce que disait à l'instant Philippe de Dieu le veut. Ça a été une chasse au trésor difficile. Oui, l'hypothèse du grognard... Non, j'aurais pensé quelqu'un de quand même de plus précis. De plus important. Oui, oui, mais ça, ce sont toujours les pièges. Oui. Vous vous êtes très bien rattrapé, en tout cas, puisque vous avez dit, allez, on prend le pari. Oui. On n'avait pas pensé qu'effectivement, ça pouvait être quelqu'un qui, au-delà du lieu d'embarquement, l'avait accompagné. Puis le bateau français, bateau français, c'est encore le seul français. Oui. Hein, nous avons peut-être fait une erreur là-dessus, l'historique nous dit bien. Bravo à vous, l'essentiel. C'est vrai que le bateau était là. L'essentiel, c'est d'avoir gagné. Vous pouvez rentrer fiers de vous à Dijon. Merci de nous avoir fait très bien jouer, en tout cas. Merci aussi, alors, à Philippe de Dieu le veut et à toute son équipe. Merci, Philippe. Je crois que vous avez fait aujourd'hui une performance de plus dans votre palmarès. Nous nous retrouverons donc tous très bientôt pour une nouvelle chasse au trésor. Merci.